Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test du grand, du puissant Mass Effect Andromeda sur PlayStation 4. Et oui, en effet, il aura fallu attendre pas moins de 5 ans pour que BioWare nous ponde un quatrième bébé qui s'ajoute à la saga Mass Effect, édité par Electronic Arts, développé par BioWare, sorti officiel le 23 mars 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Ah là là, Mass Effect 3 sorti en mars 2012. Bout du con, ça, c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on se fait vieux. Je vais pas parler de l'histoire, enfin j'en parlerai in-game, on va directement s'attaquer au menu, sans perdre un instant. Première catégorie du menu, la map, la carte. Donc c'est ici que vous verrez vos quêtes principales et annexes. Vous pouvez bien sûr placer un marqueur. Il est dit dans les écrits et les développements que la map est 4 fois plus grande que les maps auxquelles on a pu avoir affaire dans les discovers des précédents Mass Effect. On enchaîne. Le journal, c'est là où est-ce que vous aurez donc du coup vos quêtes principales et secondaires. Pour le codex, donc ça c'est un espèce de glossaire, des archives, des informations pour pimenter, pour ajouter de la saveur au solo, au menu. Dans l'inventaire, vous avez donc du coup les armes, où est-ce que vous pouvez, bien sûr, les modifier avant de partir en mission. Vous avez le comparatif sur votre droite, vous avez toujours les fusils d'assaut, les fusils à pompe, les fusils de précision, armes de corps à corps ajoutées depuis Mass Effect 3 avec cette fameuse lame. Du coup, vous avez aussi, bien sûr, les mods à ajouter. Donc ça, c'était un grand principe déjà de Mass Effect 1, amèrement regretté dans Mass Effect 2, car ça n'y était pas. Autant le 2 reste mon préféré de la trilogie. Mais ça, c'est vrai que rajouter des mods, des armures et autres, ça manquait dans Mass Effect 2, quoi. Du coup, les armures, là voilà, je n'ai pas à rajouter d'autres choses. Les consommables, ça c'est à utiliser sur le champ en fonction de votre état. Les recherches, ça ce sont des plans, donc du coup pour former d'éventuelles armures, armes, et même plans pour votre nomade. Donc voilà, c'est le petit 4x4 qui remplace le Mako. Il vous faut donc du coup des composants pour pouvoir construire et ajouter ces améliorations. Les composants se retrouvant dans votre onglet ressources. Du coup, enchaînons les compétences. Donc là, j'ai fait exprès en plus de prendre un level. Là, je parlerai du protagoniste juste après. J'ai 4 points de compétences. En jouant RP, j'ai de suite pris Scott Ryder, l'un des deux jumeaux. On va partir donc, du coup dans les points de combat. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Moi, généralement, je joue que au fusil d'assaut, donc c'est pour ça que j'ai voulu augmenter. Après, les passifs pour les puristes, vous connaissez, vous savez de quoi il en retourne. Je l'ai plutôt orienté biotique. Je vais m'augmenter avec 4 points de compétence. Je vais m'augmenter la Nova, tiens. Plus 15% en dégâts, 25% en force. Allez, on va partir là-dessus. Ne perdons pas de temps, les pouvoirs. Les pouvoirs biotech, vous les connaissez. C'est du coup pour vous rajouter des dégâts sur par rapport à vos armes. Et puis, vos collègues. Donc, Cora, salut toi. Je vais te rajouter. Donc, du coup, tu as 2 points. On va lui foutre un petit peu de bouclier parce qu'elle va en avoir besoin. Un point, après je ne peux pas le mettre ailleurs. On s'arrête pour elle. Vetra, toi, 3 points. On va te rajouter un peu... il faut que tu te défendes un petit peu pour le tir. Plus 30% en vitesse de recharge, pourquoi pas. Et un point, je ne pourrais pas te l'attribuer. Voilà. On continue donc du coup les profils, donc ça après vous pouvez choisir bien sûr votre catégorie, vous pouvez être soldat si vous êtes vraiment très arme à feu, très terre à terre, c'est vraiment le basique, le B.A.B.A., c'est vraiment si vous voulez avoir aucun pouvoir. Vous pouvez ensuite être ingénieur, donc là du coup c'est plutôt sur tout ce qui va composer la technologie, les machines. Adepte, c'est le biotique bien sûr, les pouvoirs, télékinésie, barrière, etc. La sentinelle, je ne vous apprends rien, le porte-étendard qui a été ajouté avec les autres Mass Effect, franc-tireur et enfin explorateur. Je ne vais pas spoiler davantage, vous avez les précisions à côté, vous n'avez qu'à faire pause durant la vidéo si vous voulez lire et en apprendre un petit peu plus. La partie, ça reste le menu basique. Je continuais sur une mission principale, mais on m'a dit surtout, ok pour ton test, voilà, on veut du gameplay mais pas de spoil, donc on va partir sur une mission secondaire, je la sélectionne. Et maintenant, après il est temps que je vous montre le jeu et je vais pouvoir vous en parler davantage. Donc du coup, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Parlons donc du coup de la mission. Donc je dois enquêter en fait sur un meurtre.
Lors de mon séjour dans le Nexus, donc le Nexus c'est un petit peu, comment dire, c'est l'équivalent de la Citadelle. Je vais y venir aussi, je vais en parler avec plus de précision. Donc là, je dois enquêter sur un meurtre. Quelqu'un est condamné à l'exil. Et apparemment, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui qui l'a tué? Donc j'enquête pour savoir si cet individu est innocent. À savoir, en parlant des points négatifs, comme ça au moins le mal sera dit, quand on va trop vite dans le jeu, quand il y a trop de choses qui s'affichent, ben les clippings, ben ça gère pas du tout. Des bugs sonores qui arrivent à retardement. C'est assez gênant. Bon, BioWare a dit qu'ils allaient le régler avec des patchs. Bon, ça c'est génial par contre parce que le Mako-like là qu'on est en train de conduire, il va vraiment partout, ça c'est assez ouf. La touche L1 nous permet de passer en 4 roues motrices. On peut donc du coup parcourir des trucs. Alors, vous voyez après ça a frisé, vous voyez. Donc voilà, c'est ce genre de frise. Bon, après ça peut un petit peu tuer l'immersion. Et d'un autre côté, bon, c'est pas non plus gênant parce que ça reste pas de façon vraiment définitive. Bon, voilà. C'est pas très long, mais ça reste un petit peu chiant. Après, la motion capture des personnages, on a l'impression que les types n'ont aucune émotion, rien du tout. Ça a déjà été réglé dans un premier patch, mais à voir ce que ça donne encore, malgré apparemment une correction. C'est ridicule pour l'instant, franchement, c'est un gros point négatif et je peux comprendre que même 5 points sur une note soient retirés juste à cause de ça, mais vraiment, ça a le mérite d'être noté. Bon, après, je vais pas être non plus trop méchant, les graphismes sont assez sympas et la personnalisation des armures, etc., qu'on avait amèrement regretté dans les autres Mass Effect qu'on avait connus dans le 1 est à nouveau présent dans celui-ci. Comme vous pouvez le voir, voilà, je saute, je fais des jumps, j'ai la spécialisation du coup d'adepte, de biotique. Ce qui me permet donc du coup d'avoir une animation, un petit peu une enveloppe biotique, c'est assez cool. Donc là voilà, je vais partir rechercher les preuves. À savoir donc, qu'est-ce que je pourrais du coup vous dire? On va parler un petit peu, sans spoil, je vais parler de l'épilogue, voilà, comme ça au moins je ne vous en dis pas plus. Le projet donc du coup Andromeda, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il faut remonter 600 ans en arrière. Vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai mis une petite phrase d'intro pour un petit peu vous plonger. 600 ans avant, à l'époque de Mass Effect 2, ça s'est fait, le projet constituait à mettre plusieurs individus, plusieurs colons humains en cryostase pour que 600 ans plus tard, une nouvelle vie en fait puisse évoluer, renaître. Ouais, surtout voilà avec la race humaine en fait qui était vraiment pas reconnue dans toute la galaxie. Les conseils intergalactiques étaient formés de nombreuses races de tout le système, mais les humains étaient un petit peu considérés comme les segpas de la galaxie quoi, voilà. Alors ça ce qui est cool aussi c'est regardez. Pas de dégâts de chute. Si ça c'est pas ouf. Après bon, j'ai sauté quand même d'assez haut. Je pense pas que Shepard survit à un coup pareil, quoi. Mais voilà, donc c'est plutôt cool que la chute, justement, se soit un petit peu réglée, ce problème. Après, est-ce qu'on peut sauter de plus haut? Je n'en sais rien. Donc voilà, on incarne donc du coup Scott ou Sarah Ryder, l'un des deux jumeaux, voilà, protagoniste homme ou femme. Bien sûr, vous pouvez personnaliser votre héros. Et donc du coup après vous lancez à la recherche de nouvelles planètes, d'une nouvelle planète Terre, afin que les colons humains soient accueillis, ces fameux 20 000 colons qui sont dans l'Hyperion, c'est un des nombreux vaisseaux qui fait partie du projet Andromeda. Et donc voilà, votre but en gros est de découvrir plusieurs planètes, de regarder, observer faune, flore, voir s'il n'y a pas d'animosité, si c'est viable, si c'est stable, et que ce ne soit pas l'anarchie qui règne sur cette planète. Donc voilà, votre but primaire, c'est ça. Après, vous avez des quêtes annexes, des quêtes principales, avec de nombreuses cinématiques. Franchement, c'est sympa, c'est viable. Et puis après, bon, vous voyez, le son reste assez sympathique. Le scanner que je dois sans cesse utiliser, il est trop présent par contre dans le jeu, je trouve personnellement. On en dépend trop. C'est un peu l'objet cheat en fait. Vous savez, ce genre d'objet que l'on va forcément utiliser parce que c'est un petit peu obligé. Et, bordel, c'est un nid.
Donc, l'IA qui me parle aussi en fond, que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent d'IDEA dans les anciens Mass Effect. Donc, est-ce que. Je suppose que le mec doit être là. Alors, est-ce qu'il s'est fait tuer par le type qui est en prison dans le Nexus? Ah, mais ça, c'est des pierres à récupérer, c'est des ressources, ça. Il va falloir que je me dépêche après, parce que, bon, bien sûr, mon système de survie diminue avec le temps, vu que je ne suis pas dans une habitation, comme il l'appelle. Du coup, il n'y a pas de champ énergétique qui permet de pouvoir respirer, de ne pas avoir affaire aux radiations. Ah, mais non, mais mon objectif était bien là. Hein. Alors, on va remettre un coup de scanner. Ah, mais oui. Bon, très bien, alors c'est ici. Vous voyez, voilà, Sam, c'est notre idée. Ouais, donc du coup, voilà, il était rapporté que la personne qui est décédée s'est fait tirer dessus à bout portant, cage thoracique explosée, mais apparemment, donc, si le tir vient dans le dos, c'est pas lui. Et ouais, c'est lui. On dirait la voix de confirmation. L'empreinte vocale correspond à celle du suspect Nickel. Ok, non, en fait, toutes les preuves. On pensait que le prisonnier avait tué justement Reynolds, mais au final, c'est pas lui. Bizarre, parce que le jeu vous pousse à. Enfin, il vous pousse à croire qu'il y a quelqu'un qui est forcément le méchant et tout, et au fur et à mesure, en fait, si vous ne faites pas la quête annexe et vous prenez votre décision trop vite, oui, c'est le prisonnier, pas besoin que j'aille parcourir de nombreuses quêtes. Pour savoir, enfin, je connais la vérité, le jeu, voilà, il m'ouvre vraiment les yeux. Bah non, en fait, vous êtes obligé de faire les quêtes secondaires pour vraiment savoir la vérité. Donc le jeu fait un peu la pute avec vous, quoi, mine de rien. Mais après, c'est sympa. Hein. Bon, du coup, on va scanner d'autres minéraux, histoire que je vous montre, parce que ça sert à rien que je retourne dans le Nexus, car là, il y a pas mal de radiation ici. Du coup, comme ça, je vais pouvoir vous montrer d'autres phases, quand même. On va faire un petit peu de la récup. Je vous montrerai aussi directement dans l'espace. Alors c'est en bas. Oh, enculé, comment j'ai mangé. Oh merde. Je suis mieux dans mon Mako. Dans mon petit 4x4. On va aller regarder en bas. Oh mais non, merde. Oh, wow. Ah mais non, en fait, oh, faut pas y aller dedans du tout. Oh, vite. Accélère, bordel. Avec 4 roues motrices plus boost, quoi. Fallait vraiment sortir. Oh, damn. Bon, du coup, mon système de survie ne se régénérera pas. Et ma vie diminue de façon quand même assez conséquente en bas à droite. Enfin, ça c'est la durabilité du Mako. Enfin, je l'appelle le Mako, je sais même plus quel nom il porte. Mais bon, pour moi, c'est le Mako. Donc, on va repartir. On va repartir ailleurs. Bah, je vais relancer la mission principale, mais juste manière de la ramener. Établir un avant-poste sur un site approprié. Bon, du coup, c'est ce qu'il va falloir que je fasse. Après, bon, voilà, il y a beaucoup de dialogues. La VF est plutôt réussie. Ce sont des doubleurs de qualité qui ont été sélectionnés par BioWare. En même temps, vous allez me dire, on n'avait pas trop à se plaindre non plus dans les anciens Mass Effect. Franchement, les voix étaient plutôt bien sélectionnées. Non, franchement, après, il est beau, il est immersif, mais après, comment vous dire? Un autre point négatif que je pourrais citer, c'est si vous avez fait la trilogie des Mass Effect, celui-ci ne les concurrence en aucun point. J'ai pour habitude de me faire un podium dans les Mass Effect. Purée. Ça, c'est que j'aimerais en tuer un, mais après, il y a des ennemis qui se mettent devant. Ça c'est assez conséquent, ça arrive souvent, ça. Il y en a beaucoup ici. Allez hop. Voilà, le petit coup de Nova biotique, au calme. Pour moi, ça me permet de vous montrer une séquence de gunfight. Donc du coup, voilà, en podium, je mets Mass Effect 2 en premier, le 1 en deuxième et le 3 en dernier. Même si la trilogie, franchement, est excellente. Mais celui-là, les concurrences en aucun point, vraiment. Même si on y retrouve pas mal de choses. Déjà parce qu'il n'y a plus Shepard.
On était trop habitués à ce héros-là. Mais du coup, je sais pas, je pense que c'est plus un épisode de transition qu'autre chose, malheureusement. Il mérite son 15, mais après, pour les nostalgiques, je sais pas, je m'attendais... Je sais pas, les premiers Mass Effect nous avaient fait tellement rêver qu'au final, je sais pas, il y a pas grand chose du coup qui peut lui arriver à la cheville quoi, au final. On nous a tellement habitués à bien que ma vie continue de descendre, c'est plutôt chiant. Donc ça c'est un point à prendre en compte. Si vous êtes novice, oh bah tiens j'ai pris un level. Si vous avez pris, si vous êtes un petit peu novice, néophyte dans la saga, dans l'histoire de Mass Effect, celui-ci est fait pour vous, pour vous le faire découvrir, tant mieux, comme ça après si ça vous pousse à du coup à faire les trois autres, tant mieux, parce que du coup votre émotion va grandir de façon étonnamment croissante, ce qui fait que bon du coup c'est quand même plus du coup si vous commencez par celui-là, mais après ayant fait la trilogie, je m'attendais un peu mieux au final, même si bon voilà, je vais pas le bâcher pour autant. Je pense être arrivé... Ah oui, notre ami le Krogan solitaire mercenaire est en train de se friter. Je fais pas de spoil, je dis rien, comme ça vous découvrez en même temps. Encore du petit gunfight. On va se faire plaisir. Ah, ça y est, il n'y a plus de radiation ici, ça remonte en bas, ça fait plaisir. Et bim. Non, ça c'est vraiment classe. Après, il y a un mode multijoueur, je ne l'ai pas fait. Et puis, je pense que pour Mass Effect et pour respecter Mass Effect, je ne jouerai pas au mode ulti, parce que Mass Effect, pour moi, c'est un jeu solo, et tu prends ton kiff en jouant en solo. Après, pour les jeunes générations qui veulent absolument du multijoueur, avoir un espèce de Halo-like, et encore, ça n'a rien à voir, voilà, vous pouvez bien sûr vous rabattre sur le mode multijoueur. Ouh, il y en a beaucoup ici. Après, il y a pas mal de dédicaces. Hein. Allez, tire-moi dessus. Pour une fois que j'utilise ma compétence bouclier. Vous voyez, voilà, toutes les balles lui reviennent dessus. Parce qu'il me tire dessus. Voilà, génial. Ah, le biotique, c'est la vie. C'est la vie. Après, si vous ne savez pas où est l'ennemi dans la map, vous n'avez qu'à regarder en haut. Et un petit point rouge sera affiché. Et ce sera forcément, du coup, l'ennemi. Ça y est, Drac, je t'ai sauvé. Vous serez amené à rencontrer quand même pas mal de personnes en PNJ, même faire un bon petit bout de chemin avec eux, et ils n'iront pas forcément dans votre escouade au final. Et ça, c'est plutôt bien. On n'est jamais sûr. On fait une bonne équipe. Vous êtes pas mauvais non plus, papy. On devrait peut-être bosser ensemble, finalement. J'ai bien aimé ce combat, mais vous faites partie du Nexus, et vous sortez à peine de l'œuf. Enfin, bon, certes, je suis un novice, mais bon. C'est sûr qu'il a pas le même galon que Shepard. Montrez-moi où se trouve votre vaisseau et essayez de me suivre. Bon, je serai amené à le retrouver du coup. Allons là-bas. Les premiers colons ont envoyé des registres audio sur... Alors, je dois activer l'avant-poste. Après, ouais, avant les lancements de cinématiques, des fois, il y a des clippings, les personnages disparaissent, réapparaissent, c'est un peu bizarre. Ça, c'est mal foutu. Hein. Après, donc, là, maintenant, mon point négatif par rapport au visage, je vais pouvoir peut-être vous le montrer. Mais là, on sent que, je sais pas, niveau expression, quoi, le mec, quoi, il est aussi expressif qu'un golfeur asthmatique, quoi. C'est... Oui, il y a absolument aucun rapport, oui, je sais. Vous pourriez construire un avant-poste militaire dédié à la défense et à l'entraînement du milice. Un avant-poste scientifique pourrait également faire progresser les recherches et les découvertes de... Ah ouais, donc militaire ou scientifique... Ouais, quelqu'un a un avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Un avant-poste militaire ou scientifique? Je vote pour scientifique. On est là pour explorer, non? Moi, je dis militaire. Oui, ben forcément, pourquoi j'ai demandé, forcément. Il faudra encore que je choisisse, quoi qu'il arrive. Par un pionnier, on verra un message. Quel qu'il soit, votre choix représentera l'initiative et ses intentions. Ah! Ouais, mais la base du jeu, normalement, t'es un colon qui est censé... T'es un explorateur. Ouais, je suis pas un mercenaire ou un militaire. Ouais. Non, on va choisir scientifique. Les explorations doivent être nos priorités. Ce sont nos fondations. Ce sera notre avenir. Voilà, c'est ça. On est surtout des mecs qui veulent explorer. Bon, mais voilà une bonne chose de faite.
Magnifique logo de temps de chargement. Ouais, j'essaie de meubler, hein, je fais comme je peux. La petite cinématique, voyons ça. Initiative Andromède, ici Ryder, pionnier. Oui, on sent que le personnage est légèrement mieux fait lors des cinématiques quand même. Ça, vous voyez, voilà, ce genre de choses en facemaking, là. Cette attente du mec, là, il regarde en l'air, il regarde à gauche. Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Enfin, on n'a pas besoin de ça, quoi. Enfin, je sais pas, ça tue un peu l'immersion, quoi. On a l'impression qu'on parle à des trisomiques, quoi, des fois. Des opérations pour ce bloc. Ou Monsieur le Maire, j'imagine. On utilisera au mieux ce que vous nous avez donné. Moi, il n'y avait pas que moi. Ça a demandé beaucoup de gens pour en arriver là. Vous poursuivrez leur travail. J'entends bien. Prodromos, c'est le nom qu'on lui donne. Ils ont hâte. Je n'avais pas vu cela depuis des mois. Bon, du con. Oh, cette tête qu'elle a. Non, mais voilà, il y a certains personnages, franchement, quand je vous dis qu'ils sont ratés, ils sont ratés, quoi. Elle avance les yeux grands ouverts et qu'il n'y a jamais des yeux. Je sais pas, enfin, tu veux du dacryocérum, quoi, enfin. Elle, quand elle chope une poussière, s'il faut, elle doit chialer, mais... Je les avais mis en garde contre un... Je sais pas, elle, je trouve que c'est la personne la plus ratée niveau facemaking. Donc celle-là, de toute façon, elle m'a jamais fait confiance depuis le début. Montrons-nous raisonnable, soyons plus adultes. Regardez ça! Putain, on croirait... Non, franchement, niveau animation, on dirait des jeux de Play 2, quoi. Ça, voilà, ça pour moi, c'est un point négatif, malheureusement. Là, je dément pas, quoi. Un avant-poste sur une planète risquée. Bon, du coup, je vais pas continuer la cinématique histoire de pas non plus trop spoil. Voilà, ben. Bon, je vais enchaîner jusqu'à ben, vous montrer un moment de Discover, comme ça je pense que j'aurai à peu près tout montré sans faire trop de spoil. Je scinde la vidéo, je vous dis à de suite. Voilà donc à quoi ressemble l'interface de Discover. Voilà, c'est ce que je tenais à vous montrer. Donc on se retrouve sur une interface comme quand Shepard était devant son tableau de bord. La map est beaucoup plus vaste que ça. Regardez, chaque point que vous voyez sera amené à être découvert. Et croyez-moi, on n'en a pas fini. On se retrouve aussi dans un style un peu à la Mass Effect 2, où est-ce que lorsqu'une anomalie est détectée, vous pouvez lancer une sonde et ainsi récupérer des minéraux qui eux seront... directement dans votre inventaire à la Mass Effect 1. Il suffisait genre juste de cliquer sur la planète pour récupérer des choses. On n'envoie pas directement la sonde, enfin on en envoie qu'une seule, ça nous permet de découvrir l'endroit et après tous les composants de ce lieu sont récupérés pour votre inventaire. Donc c'est beaucoup plus rapide, autant c'était une nouveauté sur Mass Effect 2 d'envoyer des sondes, de chercher un petit peu avec l'oscilloscope, de chercher les activités sismiques et autres. C'était lassant, quoi, au final. Enfin, bref. Du coup, ils ont fait un mélange des deux. Ça permet, du coup, de... Bah, qu'on se lasse moins vite, déjà. Et puis, d'aller de planète en planète de cette façon-là, c'est nouveau, c'est sympathique, ça nous permet de contempler un petit peu la beauté du jeu. Et ensuite, après, vous avez forcément, la petite description juste à côté. Donc là, j'avais découvert une anomalie là-dessus, et c'est ici qu'il y a le gisement. Donc voilà, ça me permet de récupérer justement ces minéraux. J'ai récupéré 122, et vous voyez. Voilà comment on fait, du coup, pour récupérer. C'est aussi simple que ça, il faut juste le trouver en lançant le scanner avec R2, avec L2, pardon, et envoyer la sonde avec R2. Du coup, je vais m'arrêter sur cette magnifique image de galaxie, en espérant du coup que ce bref test sans spoil de Mass Effect Andromeda vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis, portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et à ciao !